Monsieur Abdelhak Laméry, bonjour. Bonjour, sourire. Alors les indicateurs économiques dans le rouge, il faut s'en inquiéter. Vite agir, professeur Abdelhak Ah, Tout de suite, très rapidement. Parce qu'on a une population maintenant qui a une forte démographie, 2,4%. On a une croissance économique en berne. Et donc, euh, ça veut dire que le chômage va se développer. Euh, et les problèmes sociaux vont s'aggraver dans tous les domaines, le domaine de logement, le domaine des transports, euh, etc. Donc il faut faire très très vite pour redresser la situation. Face à la situation économique actuelle, est-ce qu'on peut considérer qu'on va tout droit vers une situation sociale euh, complexe euh, Très complexe parce que... Une crise que, sociale euh, Pas tout de suite, euh, très rapidement. Les dégradations seront lentes, c'est-à-dire... Chaque année, on va perdre de, du pouvoir d'achat 1,5% à peu près. Sur le long terme, ça fait une dégradation, alors que le reste du monde, on table sur une croissance économique mondiale de 3%. Euh, et ce qui fait que nous allons perdre des places en termes euh, de rang économique sur la scène mondiale. Mais ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est... Euh, la dégradation du niveau de vie qu'il faut arrêter très rapidement par euh, des, des mesures en attendant qu'il y ait une stratégie globale qui se mette en place. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, euh, M. Lamiris, c'est que les prévisions de croissance contenues dans la loi de finances pour l'exercice 2019 étaient de 2,5. Or, il se trouve aujourd'hui que certains économistes considèrent que la croissance pour cette année est quasiment euh, solde négatif de 0,5%. Est-ce que c'est le cas Est-ce qu'on peut le dire et l'affirmer Oh, C'est clair parce que euh, on voit les agents économiques sont dans l'expectative, aussi bien les consommateurs qui ont peur qu'ils ne consomment pas, euh, et quand les consommateurs ne consomment pas, les entreprises ne vendent pas. Et quand les entreprises ne vendent pas, elles, elles commencent à licencier. On en commence à avoir beaucoup de licenciements dans le secteur privé. et le secteur public est dans l'expectative, donc pas de croissance. Et bien sûr que la loi de finances veut inculquer de l'optimisme aux agents économiques et donc euh, elle table sur une forte croissance. Mais pour qu'il y ait euh, cette forte croissance, il faut qu'il y ait une grosse rupture sur la manière de faire et la manière d'agir. Euh, on peut le faire, mais pour le moment, on ne voit pas euh, les, les mesures essentielles qui doivent être prises pour... Euh, euh, aller vers ce type de croissance. Mais est-ce qu'on peut considérer que ceci est dû essentiellement à la crise politique que nous traversons actuellement ou c'était antérieur puisque notre économie a toujours été dépendante des hydrocarbures, elle n'a jamais été une économie productive et créatrice oui, les, les deux, le fait de que l'on n'a pas croissance. de solution politique font que euh, l'investissement se détériore, national et international. Euh, il faut qu'on aille très vite vers une solution politique si on veut sortir de la crise, parce qu'il faut des politiques euh, économiques courageuses et qui ne peuvent euh, venir que s'il y a une stabilité politique et un renouveau politique. Mais il y a aussi le fait que euh, nous sommes un pays organisé pour échouer en termes de stratégie économique, je peux expliquer ça. Il euh, y a ce qu'on appelle... En, en organisation des États, les organisations à échec, et il y a les organisations de réussite. Les organisations de réussite reposent sur des facteurs essentiels qui sont, premièrement, l'organisation de l'État. L'État doit être organisé pour avoir un cerveau qui planifie sur le long terme, un type euh, institut coréen de développement où vous avez les 300, 400 meilleurs cerveaux qui planifient sur 40, 50 ans, et vous avez le, les ministères qui deviennent des instances d'exécution. Vous avez l'organisation de l'échec, où vous avez 25 ministères, chacun fait un petit plan et vous les mélangez, vous trouvez un chaos. Donc, premièrement, il faut sortir de l'organisation de l'échec pour aller vers l'organisation de, de la réussite. Deuxièmement, il faut développer, on va en parler, mmh. les industries du savoir parce que on croit que l'économie fonctionne sans ça. Et même si on, on devait mettre de l'argent dans les entreprises après pour se développer, il va nous manquer des entreprises spécialisées mmh. en exportation, en qualité, en, en développement humain, en stratégie. En, pour pouvoir faire fonctionner efficacement ces entreprises-là. Là, on ne les a pas, il faut les créer aussi. Est-ce qu'on peut considérer, partant de vos déclarations, qu'on a commis beaucoup euh, d'erreurs depuis l'indépendance à ce jour, sur par exemple, en termes de vision économique, puisque vous dites, notre économie a toujours été euh, bâtie sur un modèle d'échec, au départ euh, euh, Oui, surtout, euh, après 1986, bon, les, au départ, on a commis les erreurs qu'on qu'ont commis tous les pays socialistes on a cru à un schéma une idéologie etc beaucoup de pays euh, l'ont fait mais lorsque en 86 on a remis ce, euh, en cause ce système là euh, on devait aller très rapidement comme les pays qui ont réussi leur transition vers des modèles euh, connus d'organisation d'économie de marché qui exigent euh, des mécanismes différents, des types d'organisation très différents qu'on n'a pas mis en place Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire aujourd'hui, puisqu'on voit que récemment, des mesures sont prises par le gouvernement, par exemple, avec bien sûr en ces temps de crise, pour booster l'investissement par la suppression partielle de la règle 51 Est-ce qu'on peut parler de, de booster l'investissement dans un contexte pareil Est-ce que c'est possible ou pas possible dans l'immédiat Dans l'immédiat, c'est très peu possible, même si la mesure est bonne en elle-même. On a fait une erreur énorme on, avec la, la loi de finances complémentaire 2009 où on a pris des mesures euh, qu'il ne fallait pas. Euh, L'origine, euh, c'est connu, c'était le président de la République qui, dans son discours en 2007 face au maire, a cité euh, cette fameuse phrase où, en parlant des transferts, euh, après que j'ai écrit un article sur ça, en disant qu'on euh, aurait, il aurait fallu... Que au moins on prenne la majorité avec ces entreprises-là. Oui, mais euh, après le législateur a compris que ça, ça doit être pour tous les domaines d'activité, alors que ça, doit, ça devait être uniquement pour les entreprises stratégiques. Les entreprises pétrolières, les entreprises, il faut une autorisation de l'État pour détenir euh, plus que ça. Mais là, on a généralisé la règle. On était l'un des euh, rares pays qui a cette règle-là et qui fait qu'il y a eu un recul de l'investissement. Parce qu'au début, on a tiré à peu près plus de 2,5 milliards et demi d'investissement. Maintenant, il se trouve que ces dernières années, on attire moins de 1 milliard. Il faut savoir qu'il y a des pays comme l'Égypte, par exemple, qui n'ont pas une économie florissante, qui arrivent à 7 milliards de dollars d'investissement étrangers Nos amis marocains arrivent à 2,5 milliards. et demi. Nous, on est à moins d'un milliard. Et donc, ça peut booster l'économie, euh, aider l'investissement, créer l'emploi, de la richesse, etc. Mais pas pour le moment. Euh, pour le moment, on est dans une, une logique de régler des problèmes internes d'abord. Pour que ça soit un signal fort, maintenant, il devient un signal faible cette euh, histoire d'investissement. 51-49 qui, qui doit être enlevé. Mais cette décision avait été prise en 2009, on s'en souvient tous. C'était par rapport au volume un peu des transferts des dividendes qui avaient été opérés, entre autres qui concernaient un opérateur de téléphonie euh, mobile. Euh, c'était l'équivalent à l'époque, en 2009, c'était l'équivalent de 7 milliards de dollars qui avaient été transférés par l'ensemble des entreprises qui étaient étrangères ouais. présentes en Algérie. Mais est-ce que pour autant ça a diminué le niveau des transferts Puisque si on oui. se réfère aux chiffres, ils sont faramineux. Même oui. l'entreprise algérienne en est concerne, euh, concernée. Oui, euh, on, est, euh, on est parti de 7, des transferts sur les services, à plus de 12 milliards de, de dollars. Donc on n'a pas réglé le problème parce que l'économie algérienne n'est pas compétitive. Pour inverser la situation, c'est-à-dire avoir un solde zéro, un, un solde positif, il faut que nos entreprises fonctionnent bien. Les assurances, Air Algérie, les banques, tout ce qui est service, le tourisme. Or, on a stagné en, en matière managériale si on voit tous les, les indicateurs que l'on a, on n'a pas fait de, de grands efforts en, en termes de management des entreprises, et surtout euh, des entreprises euh, qui sont en compétition avec le reste du monde. et donc le problème demeure, puisque euh, on est encore euh, une économie qui ne sait pas gérer sa productivité. or, euh, on dit, euh, en gestion des entreprises, qu'il n'y a pas de pays sous-développés, il n'y a que des pays mal gérés. Si vous gérez mal vos institutions, vous ne pouvez pas prétendre au développement ni à l'amélioration des indicateurs macroéconomiques. Mais est-ce qu'on peut considérer que partant de ce que vous êtes en train de déclarer à l'instant, qu'on a raté la possibilité de devenir une destination d'investissement étranger en 2010, on avait tous les indicateurs. Au vert pour l'Algérie. Bien sûr, nous avions une main ouais. d'œuvre qui n'était pas euh, très euh, ouais. euh, accessible. On avait, on a aussi l'attractivité par rapport euh, au, au prix euh, du gaz. On avait aussi euh, des réserves de change ouais. très importantes. Est-ce ouais. qu'on peut considérer qu'on a raté ce virage Est-ce que c'est oui, possible a, de le rattraper aujourd'hui euh, On a raté tous les virages, même s'il est euh, dans le doing business. Euh, on est parmi les pays qui, mmh. qui sont derniers. On a, si on voit tous les indicateurs, euh, on n'a pas fait de grands efforts parce qu'on a considéré que le développement était une affaire euh, d'offres et de demandes. C'était simplement injecter de l'argent, donner des marchés aux entreprises, alors qu'on a oublié les fondements d'une économie. Les fondements d'une économie, la puissance d'une économie, c'est les cerveaux de de ses travailleurs et de ses managers. Et donc, on n'a pas investi dedans. Mmh. Mais les entreprises internationales, quand euh, elles font des, euh, euh, des études comparatives, elles ne viennent pas ici parce qu'on a ces choses-là. Elles viennent ici surtout si on a de bonnes PME-PMI, si on a un, un bon secteur bancaire, si on a des cerveaux top niveau mondial. Et quand on fait ce diagnostic-là, les éléments que l'on a qui sont bien comme par exemple les salaires, l'énergie, etc., ne compensent pas ces choses-là plus importantes. Et, euh, bien sûr qu'on peut rattraper ça, mais euh, au prix d'un travail rigoureux et d'aller beaucoup plus vers la science que essayer seulement de donner de l'argent aux institutions, aux entreprises. Mais comment on en est arrivé là, professeur Lamiri On a politisé l'économie, trop politisé l'économie, c'est une conséquence on a cru que l'économie est une question de bon sens, est une question de patriotisme, c'est une question de bonne volonté, alors que c'est une question de méthode et de science. On a mis de côté la science et les méthodes, et on a voulu gérer l'économie sans ça. Mais on a fait en sorte à aussi favoriser un clan au détriment d'un autre une ça partie de la population au détriment de l'ensemble de la population, c'est la raison pour laquelle où il y a ce déballage où on apprend des choses extra-faramineuses, euh, sur, dramatiques sur ce qui s'est produit pendant ces 20 dernières années et bien avant même. Et ça se produit toujours ainsi, de cette manière-là, si on ne fait pas comme un pays normal où on sépare euh, la politique de la technique. Pourquoi ces pays-là ont opté pour euh, des institutions d'intelligence comme ça, l'Institut de stratégie de Malaisie ou d'Indonésie ou autre, euh, qui met en place des processus pour créer des entreprises, les, euh, pour développer la concurrence, euh, pour euh, organiser le système de crédit, etc. Euh, le système économique, soit il est politisé, il est géré par la politique, soit il est géré par la technique. Et il n'y a que des politiciens vigilants Qui vont donner le pouvoir aux techniciens pour gérer l'économie d'une manière technique. Nous, on l'a gérer d'une manière politique. Et si vous la gérez d'une manière politique, on retombe toujours sur ces problèmes de corruption, de vol, etc. C'est inévitable. Des lapidations, des déni. Ouais. Mais est-ce qu'on a le, le, la possibilité de nous en sortir, sachant qu'aujourd'hui, nous sommes en situation difficile Même nos réserves sont en train de s'épuiser mais ce n'est pas les réserves qui Parce développent. Parce qu'on a tout bâti sur nos réserves de change oui, aussi. Oui, bien sûr, c'était euh, l'erreur. Mais maintenant, si on bâtissait sur autre chose, si on bâtissait, on va dire, l'Algérie, on va construire une Algérie forte, on va créer une institution d'intelligence, on va développer les industries du savoir, on va mettre à niveau les, euh, les cerveaux algériens, on va solliciter... La participation de tous et faire en sorte que le développement vienne aussi des communes, des daïras, des wilayats qui font leur plan de développement, mais en formant les gens à ce niveau-là, eh ben vous aurez une Algérie florissante dans 30-40 ans, mais pas avec le, le mode de fonctionnement actuel. C'est les prochaines prérogatives du chef de l'État Il doit aller vers ça et il doit aller vers les facteurs clés de succès au lieu de développer les facteurs clés de l'échec. Avec, euh, bien sûr, euh, professeur Lamiri, euh, l'allègement de la règle des 51-49 qui est programmée oui. dans la loi de finances pour l'exercice 2020, est-ce qu'on peut considérer que pour maintenant attirer les investisseurs étrangers, il va falloir lancer des signaux positifs Oui, beaucoup de rétablir signaux. Rétablir la confiance qui, pour l'économie actuellement, est perdue. Oui, pour le moment, il y a la problématique euh, politique qui vient euh, bien avant. Euh, la situation des doing business. Où l'auditeur je... nous dit qu'on est à classé à la 159e place. Oui. Euh, en, en second lieu, maintenant, pour améliorer euh, l'environnement des affaires mmh. et faire en sorte que les faiblesses deviennent des forces, il faut les identifier. Pourquoi les, les, les entreprises étrangères ne viennent pas À cause des processus administratifs, à cause. Euh, des qualifications humaines à cause. Ces problèmes-là, il faut un plan d'action pour les régler. Les stabilités juridiques aussi en est une conséquence on, on change de loi à chaque fois. Maintenant, les administrations, euh, dans le monde entier, si vous voulez moderniser votre administration, il faut passer du de, système classique avec lequel sont gérées nos administrations, ce qu'on appelle système weberien. Au système, New Public Administration, ça veut dire que les entreprises doivent être gérées comme des entreprises économiques avec des indicateurs, des objectifs, des stratégies, des, des... tout cela c'est une révolution à introduire et on ne peut pas le faire si on n'a pas l'organisation dont on parle. Maintenant, les ressources doivent être injectées pour moderniser les cerveaux d'abord au lieu d'aller vers 99% d'infrastructures euh, que l'on va payer 400 fois plus cher. Euh, maintenant, il faut aller vers les industries du savoir. Euh, dans la loi de finances, on va accorder beaucoup de... Euh, on va accorder beaucoup de crédits aux jeunes pour créer des entreprises dans le sud, etc. Mais le problème est où sont les industries qui vont accompagner ça C'est-à-dire au début former les gens, les évaluer, les mettre dans des incubateurs, euh, c'est-à-dire des experts qui vont les... Les aider jusqu'à 3-5 ans, jusqu'à ce qu'ils réussissent après. Il faut mettre ces industries du savoir là pour mettre à niveau nos administrations, nos entreprises, et à ce moment-là, on va être compétitif et on va attirer beaucoup d'investissements. Maintenant, le 51-49, c'est bon, c'est une bonne chose que qu'on puisse euh, l'éliminer, mais il faut des mesures d'accompagnement pour que on ait un, une attractivité de l'investissement qui, qui sera suffisamment mûre. Pour développer le pays. Mais est-ce qu'il faut lancer aussi des signaux positifs en direction de l'étranger Oui, mais les signaux positifs, c'est quoi S'ils voient, si les étrangers voient qu'on est en train de moderniser nos administrations, nos banques au, au top niveau, ils observent ça. S'ils voient qu'on est en train de moderniser les cerveaux humains par euh, des partenariats très lourds avec les meilleures universités mondiales, recycler la population que l'on a, ils vont dire, ah L'Algérie, on avait des problèmes de qualification humaine, d'administration, de banque, etc. Maintenant, elle est en train de les régler. Et donc, on va pouvoir investir parce qu'il y a d'autres atouts comme l'énergie, comme euh, les salaires, etc. Mais si on reste sur l'énergie et les salaires, il y aura très peu de rentrées d'investissement international. La lutte contre la corruption engagée actuellement, est-ce que c'est un indicateur également positif ou pas du tout C'est un, indi le... un indicateur positif, mais il faut... Euh, que ça continue et il faut qu'il y, qu y ait des mécanismes de transparence euh, beaucoup plus efficaces que dans le passé, que l'on a euh, des modalités qui nous disent où va le crédit, où vont les marchés, euh, comment ça a été obtenu. À ce moment-là, quand on améliore les processus de transparence, c'est une indication que ça fonctionne mieux et ça aide énormément. Ne pas favoriser uniquement et exclusivement que les amis. Bien sûr. Et lorsqu'on peut mettre des indicateurs des processus, ça fait partie du management des administrations. Si on part vers le NPA, New Public Administration, la gestion moderne des administrateurs, il n'y a aucun problème. Et on enlève tous les problèmes de corruption avec beaucoup de transparence. Si vous avez par exemple un système informatique où celui qui veut créer de la richesse veut investir, il introduit sa demande d'investissement et ça part partout, ça part aux banques, au premier ministère, etc. Si jamais quelqu'un bloque, il y a des feux rouges qui s'allument et on saura qu'il veut l'argent de la corruption. Et à ce moment-là, donc, les systèmes existent. Quand on veut aller dans la science et la technique, on règle les problèmes. Quand on reste dans les généralités comme ça, on aura plus de problèmes et on n'avance pas. Mais est-ce qu'on peut considérer que la, la corruption existe exclusivement dans le domaine de la euh, commande publique, puisque tous les projets qui ont été euh, réalisés euh, font l'objet actuellement, notamment certains structurants, euh, d'enquêtes par les services concernés et la croissance a toujours été tirée par la commande publique, la preuve étant que les entreprises, par exemple dans le BTP, sont en crise euh, économique actuellement. Si on prend par exemple les entreprises de réalisation du bâtiment et travaux publics, il y a eu pas moins de 175 000. Ouvriers qui ont été libérés, donc euh, mis en oui. chômage, et 36 500 entreprises qui sont en difficulté, qui ont fermé euh, boutique, qui ont mis la clé sous le paillasson. Oui, euh, il y a maintenant euh, une crise qui commence à se développer dans le secteur public parce que la commande publique commence à baisser. Euh, et, et donc, on n'a pas de solution. Euh, vous dites que la croissance euh, était là, mais c'est une croissance qui est tirée par euh, la commande publique. C'est une croissance qui coûte très cher. Je vous donne un, un exemple. Euh, dans les pays comme la Malaisie, la Chine, etc., lorsque l'État injecte un dollar dans une entreprise de bâtiment pour construire des logements, etc., euh, on va donner des salaires, on va avoir des sous-traitants, etc. Ce dollar-là va créer 4 dollars de richesse. L'économie, c'est une machine, vous lui donnez un dollar, elle va créer 4 dollars de richesse. La croissance en, en Algérie durant les, les 20 dernières années, il faut donner 4 dollars à l'entreprise pour que l'économie produise 1 dollar. Donc on a euh, une situation de déperdition de ressources. Donc on peut, ne on peut pas continuer comme ça parce qu'il y a une déstructuration et une destruction de, de la ressource. Donc il nous faut une croissance différente. Donc ces entreprises-là ont des problèmes, c'est normal, mais il faut cr les créer. Ou mettre en place des processus de redressement d'entreprises pour qu'elles deviennent créatrices de richesses. On leur donne un dollar, avec ça, elles vont créer 4 ou 5 dollars de richesses. Mais il faut revoir toute cette vision. Est-ce qu'on a les compétences nécessaires pour mener les changements qu'il faut aujourd'hui Oui, on a. Professeur Lamiri Oui, on a pour démarrer cette institution-là, on l'a créée, on a des, des Algériens de l'étranger. Et s'il faut amener de l'intelligence, il vaut mieux acheter l'intelligence que des bananes. Et ça, ça permet de développer le pays. Les bananes ne développeront jamais le pays. Alors, est-ce qu'on peut considérer que l'État doit aussi euh, rev revenir à ses missions régaliennes, à savoir la régulation, et non pas devenir un opérateur économique qui concurrence les autres intervenants sur le marché, puisque certains disent que les entreprises publiques, pendant ces 20 dernières années, elles ont bénéficié de pas moins de 10 milliards de dollars de subventions et de soutiens sans pour autant apporter une productivité Oui. Là aussi, on a des solutions scientifiques qui ont existé, qui ont donné euh, partout dans le monde où on les a appliquées, de bons résultats. Prenez la, la Chine, on prend d'autres pays également. La Chine avait presque zéro secteur privé euh, à la fin des années 70. Après, il y a eu décision d'aller vers une économie de marché et y, on a Cibler les entreprises stratégiques. On a dit voilà une vingtaine d'entreprises stratégiques qui ne partent pas en faillite. Le reste des entreprises publiques ou privées, si ça ne fonctionne pas, elles vont aller à la casse, elles vont faire faillite. Mais quand elles vont faire faillite, attention, on a des mécanismes pour sauvegarder l'emploi et pour sauvegarder l'outil de production. C'est ce qu'on appelle les fonds de restructuration des entreprises, adossés à à des services techniques de haut niveau, des services d'expertise. Les gens vont venir sur une entreprise qui va faire faillite, au lieu de leur donner les 10 milliards comme on le fait. Là, eux, ils vont prendre l'entreprise, euh, ils vont la liquider, ils vont créer des entreprises à partir des équipements euh, de l'entreprise. Le personnel, euh, on le forme, on lui donne de l'argent pour créer des entreprises, euh, on les forme, on les met dans d'autres entreprises, c'est-à-dire il n'y a personne qui sera euh, lésé. Tout le monde va avoir un emploi, mais l'entreprise va être restructurée pour produire de la richesse. Ce que l'on n'a pas nous, on n'a pas ce fonds de régulation, on a réclamé euh, mille fois ce fonds de restructuration des entreprises et on n'a pas les industries du savoir qui viennent mettre à niveau cette entreprise là, pour qu'elle soit productrice de richesses. Mais est-ce qu'il va falloir impérativement déterminer les secteurs stratégiques de, où l'État devrait continuer à maintenir ses investissements parce que l'État ne peut pas continuer aussi à gérer des stations thermales. Bien sûr, ça c'est pas très compliqué. Bien sûr, tout le monde sait que euh, Air Algérie, tout le monde sait que sonatrac, sonergaz, etc. Une vingtaine de grosses entreprises relève du secteur stratégique et on ne les laissera jamais partir en faillite. C'est normal. Le reste, il faut laisser les entreprises partir en faillite, et, mais les doter de ce que l'on appelle un fonds de restructuration et de l'expertise pour les reprendre et les retravailler et faire en sorte que ces entreprises-là deviennent productives. En, en économie, on dit une chose, les économistes savent, le savent très bien. Le pays qui ne laisse pas ses mauvaises entreprises partir en faillite est un pays qui sera perpétuellement en faillite. Vous avez le choix. Soit vous laissez les entreprises partir en faillite et vous les reprenez, vous les retravaillez pour les rendre productives. Soit vous ne laissez pas partir, vous les subventionnez, et c'est vous le pays qui sera en faillite. On a perdu pratiquement l'équivalent de 10 milliards de dollars ces, dix, euh, ces 20 dernières années. Euh, Aujourd'hui, par exemple, par rapport à ces mesures qui doivent être prises impérativement, par rapport à la 51-49, on en a parlé, oui. certaines organisations euh, patronales expriment leur crainte de voir l'entreprise algérienne laminée par les firmes étrangères. Est-ce qu'on peut considérer qu'on doit garder le monopole du marché, et alors qu'on n'a rien apporté euh, Cette. Euh... Cette manière de voir les choses, on la traîne depuis une cinquantaine d'années. Depuis l'indépendance Depuis l'indépendance, on dit les entreprises, il faut les protéger, il faut faire ceci. Mais, euh, on a peur de la pas... compétitivité Oui, bien sûr. Et ils ne don... ces gens-là ne donnent pas la solution. C'est-à-dire, ils peuvent, ils sont en droit de dire, protégez-nous deux ou trois ans. Et ils donnent une date. Dire, à partir de là, on va mettre place les mécanismes de compétitivité. Deuxièmement, ils vous disent pas qu'ils ont besoin des industries de, du savoir pour être au top niveau. Parce que après les 2-3 ans, ils seront mis en concurrence avec les entreprises internationales. Mais s'ils n'ont pas de bonnes stratégies, de bonnes organisations, de bons systèmes de contrôle, qualité, etc., ces entreprises-là vont être perdues. Et donc, ils ont besoin d'industries du savoir, des industries qui vont venir les booster au rang d'entreprises de classe mondiale. Sinon, ils vont être perdus. Donc, il faudrait qu'il y ait des solutions pour faire en sorte que ces entreprises-là améliorent leur compétitivité. Mais quand on parle des mécanismes de compétitivité, il faut aussi éviter que ces entreprises étrangères qui viendraient investir en Algérie ne s'algérianisent par leur pratique. C'est le cas des banques, par exemple, étrangères qui sont installées ici en Algérie, sont devenues quasiment le duplicata des banques algériennes. Oui, mais c'est d'accord, parce qu'elles n'ont pas intérêt à élever leur euh, compétitivité vu la faiblesse euh, de nos banques euh, publiques et privées. Maintenant, si on a un secteur public et privé qui développe sa compétitivité, elles seront obligées euh, de s'améliorer. Et donc, tout est dans les industries du savoir qui vont booster ces entreprises-là pour qu'elles aillent. Vers un niveau de compétitivité internationale. Alors, réclamé pendant de longues, longues années, enfin l'impôt sur la fortune sera introduit. Cette disposition, est-ce qu'elle peut répandre à un impératif économique ou bien plus qu'une revendication politique et à la fois populiste euh, C'est une revendication politique. Euh, elle est populiste, mais elle existe un peu partout dans le monde. C'est-à-dire, je prends un exemple. Euh, il y a beaucoup de, sur les systèmes de taxation dans le monde, il y a beaucoup de, de gens propriétaires de villas dans beaucoup de pays qui vendent leurs villas parce qu'ils ne peuvent pas payer les taxes. Ou ils il, il la louent. Ça va des fois jusqu'à 5%, 3% de sa valeur. Ici, on est à le 1 millième de la valeur, le 1 dix millième. Donc le système de taxation n'est pas juste chez nous. Il ne taxe pas suffisamment les, les fortunes. Et donc on a en place euh, un système qui laisse, euh, en termes de, de richesse, euh, les gens avoir une grande richesse et être taxés très très peu. Donc il faudrait corriger ça, se rentrer dans, dans le système mondialement reconnu pour avoir une meilleure répartition des richesses, je trouve que c'est une bonne chose. Mais c'est -ce que... difficile à mettre en place aussi. Il faut aller progressivement. Alors, autre question d'un auditeur qui vous dit, est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, par exemple, améliorer la collecte de l'impôt et laisser les gens travailler, libérer l'investissement Monsieur oui. euh, Lamiri. Il faut améliorer la collecte de l'impôt et il faudrait aussi euh, essayer de le baisser. Parce que si vous, maintenant, si vous avez une entreprise euh, publique ou privée qui paye la totalité de ses impôts, elle paye plus d'impôts que ce qu'elle garde elle-même. Plus de 50% de son chiffre d'affaires va vers les impôts. C'est pour cela que les gens euh, sous-déclarent un peu. Mais si on ramène les choses dans des proportions normales, et après, on va exiger que tout le monde paie son impôt. Alors je ne pense pas qu'il y ait une vision économique en Algérie. Nous avons deux premiers ministres en prison. Il faudrait beaucoup de temps pour prouver que nous ne sommes pas un pays d'escrocs. Quel est votre commentaire justement oui, par rapport on, à cette a, question et cette inquiétude de l'auditeur euh, on, on a parlé, là de, euh, maintenant on a dit, euh, vous avez deux systèmes économiques dans le monde. Vous avez un système où c'est la politique qui gère à 100% l'économie. Et ce système-là ne peut engendrer que la corruption, les vols, les malversations, les malfaçons, les surcoûts, etc., qu'on a eu depuis 1986, depuis euh, pratiquement longtemps. Vous avez le deuxième système où vous avez l'État fait de la politique, c'est-à-dire fixe les objectifs socio-économiques et contrôle, etc., et délègue euh, l'exécution aux institutions techniques. Et à ce moment-là, ça fonctionne. On était dans le premier système. Donc c'est normal que l'on puisse avoir ces malversations, cette corruption. Alors euh, les seules mesures pour créer de la croissance, il faut libérer l'économie de l'investissement de l'État et le, du tout étatique. La révolution actuelle n'a rien à voir avec la crise économique. Mais on a dit la, la situation actuelle parce que les donneurs d'ordre refusent aujourd'hui de prendre certaines mesures. De de se retrouver rien, pour... Le mouvement populaire n'a rien à voir parce que ce n'est pas lui qui a géré l'économie. Il est dans une situation où il demande à ce que l'économie soit gérée autrement. Et le fait que l'on a maintenant une sorte de blocage politique fait que euh, la crise dure. C'est pour cela qu'il faut aller le plus rapidement possible vers la solution politique. Et euh, une fois que la solution politique est là, euh, la, les solutions techniques sont faciles à exécuter, contrairement à ce que les gens disent. On, il ne faut pas avoir peur de l'aspect économique. Il faudrait avoir peur de l'aspect politique. Parce que si on règle l'aspect politique et les politiciens donnent la parole aux techniciens, ils vont redresser l'économie sans problème. Il faut régler impérativement très vite, le plus vite possible, la crise politique que la nous vivons actuellement. Sinon, elle aura d'autres conséquences euh, sur le sinon, pays. Sinon, on va continuer à avoir une croissance plutôt négative et avoir une dégradation du niveau de vie et avoir un problème social dans tous les domaines dans tous les secteurs d'activité santé logement etc ce que ce qui a soulevé le peuple déjà au, au début parce qu'il y avait des nantis qui avaient tout il y avait beaucoup de gens qui n'avaient rien donc il y avait des inégalités il y avait trop d'inégalités et, et donc ce qui a causé ceci c est, le Hérax c'est une conséquence de cette mauvaise gestion économique. Ça n'est pas la cause. Alors, euh, on a toujours régé l'économie par les différentes lois de finances. Est-ce que c'est une erreur de vision également Professeur Lamir, si rapidement. Sûr. Vous, vous, vous pouvez tout de suite deviner si un pays, surtout un pays qui va aller vers euh, euh, l'émergence, si un pays a une bonne économie ou non. S'il est géré par les lois de finances, c'est sûr qu'il dérape. S'il est géré. Par une stratégie à long terme, il a beaucoup de chances de s'en tirer, et nous sommes dans le premier cas. On est géré par des lois de finances. Alors, autre question de l'éditeur qui vous dit nous sommes dans un éternel euh, circuit fermé, des bis répétitifs, les mêmes erreurs qu'on a commises à l'indépendance, au lendemain de l'indépendance. Nous les avons reproduits durant les années 70. Nous avons aussi reproduit durant les années 80 et 90, aujourd'hui 2000 et 2010. Les grandes entreprises euh, euh, privées aujourd'hui qui sont impliquées dans des affaires de malversation et de corruption, mmh. leur déstructuration, est-ce qu'elle apportera euh, un avantage au pays Sachant que pour les reconstituer, il nous faudrait pas moins de 20 ans Non, pas, pas du tout. Pas. Il y a très peu de redressement d'entreprises qui durent 20 ans. J'ai écrit un ouvrage sur ça à l'OPU qui s'appelle Management de l'information et redressement des entreprises. Il faudrait Je... les faire disparaître ou euh, les encourager non, et à. Ça, c'est le diagnostic technique qui permet de faire. On a des checklists, des diagnostics on a même des simulations financières pour dire cette entreprise-là, on peut la redresser. En deux trois ans et donc on va mettre les processus de redressement où cette entreprise là est impossible à redresser, il faudrait la détruire et reconstruire une autre. Ça c'est comme un médecin, euh, vous allez chez lui et il peut vous dire euh, peut-être, euh, mais Charles, que euh, la médecine ne peut rien pour vous. Hein, euh, on, on doit vous enterrer quelque quelque part quelque, dans quelque temps. Mais si on, on peut le faire, on a un schéma thérapeutique qui peut faire en sorte que vous allez guérir. C'est la même chose pour les entreprises. Est-ce qu'il faudrait créer à l'avenir, avec bien sûr la reconstitution de la nouvelle Algérie ou la construction de oui. la nouvelle Algérie, un ministère de l'investissement qui soit indépendant des politiques Parce qu'on a toujours été géré par un ministre ou par un ministre Arrindé, ou par un ministre, Arrindé, par un ministre non. MSP, etc. Non, pas par un ministère de parce qu'il n'a pas une vision globale. Il faut créer... Un grand ministère de l'économie Un, un grand ministère de l'économie, oui, mais surtout, surtout cette institution d'intelligence, qu'on va appeler par exemple l'Institut algérien de développement, qui va faire la stratégie de, du pays sur 50 ans. C'est ça... Il y avait le ministère du plan qui a été dissous. Oui, mais le ministère du plan, euh, c'était dans le processus socialiste. Et donc, il avait un certain nombre de prérogatives. Si on avait gardé, on, on serait un peu mieux. Mais quand même, il faut créer cette institution-là et lui donner les, les pouvoirs de réfléchir, de faire de la stratégie, la proposer au président de la République. Une fois le plan stratégique signé, il devient exécutoire pour les ministères. C'est le modèle de développement, c'est le modèle d'organisation qu'ont choisi les pays qui ont réussi. Travailler dans la collégialité, ne pas dire moi je sais, j'ai la vision et Bien je l'applique. Mais, mais ces gens-là, ils sont modestes. L'individualisme de l'action. Parce que, que quelqu'un qui connaît est modeste. Les, ces instituts-là travaillent même avec les citoyens, les centres de recherche, etc. Même le simple citoyen, il peut leur donner une idée qui peut changer le pays. Monsieur le Professeur Abdelhak Lamiri, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. À bientôt. Bon courage. À bientôt.